Je dirais que longtemps, la particularité finalement était assez facile à définir et il n'était pas si facile de mesurer les contours. Déjà, la phrase que je viens de dire, il y a déjà deux questions. Longtemps, depuis quand parle-t-on? En fait, depuis peu de temps, la politique culturelle, en tout cas telle qu'on l'a connue en France, mais aussi aux États-Unis, est relativement récente, même si on peut, comme Marc Marolier et d'autres l'ont fait, remonter à la monarchie, mais pour nous, c'est essentiellement le Front populaire, André Malraux, pour le dire rapidement. Mais c'est aussi le cas aux États-Unis, puisqu'une partie culturelle a été créée, et pas naturellement exactement même date, ce qui n'est pas un hasard, par Roosevelt, autour de ce qu'on a appelé la WPA, la Work Progress Administration, dans les années 30, donc au même moment que le Front populaire, et ensuite, précisément, la même année, ou presque, comme Malraux et la création du ministère de la Culture, c'est le président Kennedy qui décide de créer une administration fédérale pour la culture qui va être interrompue par sa mort, mais qui est déjà imaginée dans les années 60, donc juste au moment de
deuxième, je dirais presque, erreur, d'abord le temps, ça fait pas si longtemps, et ensuite l'idée de cette politique culturelle n'est plus universelle. Si j'ai dit qu'elle était créée, ou en tout cas pensée en France, elle est aussi aux États-Unis, en Angleterre, mais il est vrai que beaucoup de pays rejoindront cette problématique plus tard. Les objectifs de cette politique culturelle, et que vous connaissez, je n'ai pas cité la phrase de Marlboro, célèbre, 1959, de rendre accessible les capitales de l'humanité, et d'abord de la France au plus grand nombre possible en français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Cette définition de la plus vaste, par laquelle nous soulignons qu'il y avait déjà l'idée d'assurer la plus vaste audience à notre culture, et d'abord celle de la France. Donc, ces deux notions sont très importantes, démocratisation, on peut dire comme ça aujourd'hui, et de la France qui signifie bien qu'il y a une dimension à la fois d'héritage, mais aussi de, comment dire, qu'il ne faut pas sous-estimer de dimension nationale, donc je dirais pas nationaliste, mais nationale, de promouvoir la culture française. Et cette dimension nationale, c'est un patriotique qui existe dans l'esprit de Marlboro, qui au cœur même des politiques culturelles, elle est tout autant aux États-Unis. J'ai fait ma thèse sur la politique culturelle américaine, et j'ai montré dans cette thèse, qui est un livre qui s'appelle de la culture américaine, combien cette dimension nationale est importante, et en fait elle est partout, où que vous alliez dans le monde. On vous parle d'une culture universelle, mais partout, on prend d'abord sa culture nationale. Notre public est national, quel soit, tel que c'est défini aux États-Unis, en France, en Angleterre. Les petits culturels ont connu toutefois, et alors même qu'elles étaient créées et définies, des évolutions immédiates. On les créait, aussitôt créées, elles étaient déjà en train de changer. Pourquoi? Parce que dans les années 50-60, l'arrivée et la visibilité plus grande des industries culturelles contribuent très vite, en dépit des critiques qu'elles suscitent, la volonté de se former des intégrés. Au même moment, on se pose déjà des questions d'éducation culturelle, on se pose des questions diplomatiques, et on va se poser tout aussi vite des questions liées à des formes de décentralisation. Aux États-Unis, l'agence qui a été créée va tout de suite faire des bébés dans tous les États et bientôt dans toutes les villes. Donc, ça, c'est une exception à New York, avant la terre, j'ai cité à l'intérieur, la plupart des agences dans chaque État et chaque ville ont créé un peu ce lancement par Johnson. Et donc, encore une fois, cette définition était tellement précaire qu'à peine créée, elle évoluait déjà. Je prendrai juste, je ne pourrais pas tout traiter, mais juste cette question des industries culturelles qui va être très centrale, parce qu'historiquement, évidemment, tous les acteurs culturels étaient très réticents à considérer les industries culturelles dans leur dimension artistique. Et en même temps, un certain élargissement du concept de politique culturelle a lieu, encore une fois, au moment même où il est créé, et même si ça peut être sous une forme critique. La critique, paradoxalement, crée aussi le débat. Et notamment, une critique très forte, notamment des collègues français, qui est antérieure, paradoxalement, à cette question de politique culturelle, des collègues français qui va définir l'industrie culturelle, l'expression de l'industrie culturelle, et qui préfère d'ailleurs à celle des cultures de masse. Et ils ont proposé une critique radicale de la fin des années 40, des années 50. C'est des livres importants, d'Adorno, de Kramer, de Benjamin, notamment la critique d'une culture qui aurait perdu son droit. On retrouve ça aussi chez Narrament, un peu plus tard. On retrouve le nombre de partisans mondiaux aux États-Unis. Et dans tous les cas, c'est un trait d'époque. On a affaire à des exilés, souvent juifs, arrivés aux États-Unis. Et qui, en étant globalement favorable aux États-Unis, qui ont choisi, à cause de leur généralité et surtout la Seconde Guerre mondiale, dans
sont tous en porte critique à l'éducation américaine, puisqu'ils essaient de continuer à défendre un arbre avec un grand arbre qui pourrait être l'arbre européen plutôt que la culture américaine. Alors, ces analyses, évidemment, elles sont marquées par le marxisme, en tout cas par l'école de Frankfurt, sont aujourd'hui assez pertinentes. Marxiste, mais ils sont vraiment très ancrés dans les débats des années 50-60, de la Scotalité, par exemple. Et comme le dit un chercheur célèbre, la France est aujourd'hui plus par la force de leurs intuitions que par leurs amours concrets. Et ce chercheur est donc mis au pied également, puisque en réalité, par les sujets que l'école Frankfurt a pu développer, se sont révélés finalement assez conservateurs dans leur approche, voire par exemple, et puis son étude sur le jazz, c'est l'article de la fin des années 30, qui considère que le jazz, pour les mêmes raisons qu'il déteste la culture américaine et veut défendre le jazz, considère que le jazz, c'est pas la culture. Il y a des phrases assez fortes. Comme il ne veut pas être totalement raciste, il est prêt à accepter que l'art, sous une certaine forme, s'intéresse à la musique moderne, mais il dit que le jazz, au fond, c'est de la radio. Ne pas accepter que ça puisse être de la musique, parce que pour lui, évidemment, la musique, ça ne peut être que la musique classique, et en fait, la musique européenne est essentiellement allemande d'où il vient. Évidemment, c'est une erreur. Aujourd'hui, personne ne dira que le jazz, c'est de la radio, puisque en réalité, c'est la musique classique des États-Unis, d'avant ou d'Afrique. Et ça montre comment une analyse sur l'industrie culturelle très critique avait passé à côté, en fait, de ce qu'était la culture. On aura le même débat sur le cinéma, notamment de la critique très forte contre le cinéma. Je dirais juste que paradoxalement, une nouvelle vague qui légitime le cinéma comme l'art. C'est évidemment l'âge de l'école du cinéma, de l'âge de l'art, de l'âge de Truffaut, de Saint-Germain, etc. Qui sont très nouveaux aux États-Unis. Mais là encore, on a fait des conquêtes. Ce débat va se renouveler jusqu'à aujourd'hui dans toute une série de disciplines. La deuxième évolution, toujours sur les industries culturelles, c'est que les industries telles qu'ils les définissent, c'est-à-dire que souvent on les critique, ne correspondent pas à la réalité. Très souvent, quand on critique ce secteur des industries culturelles, on oppose au fond indépendant, entre guillemets gentil, et éventuellement français, à la major, au studio qui est globalisé, mainstream, et surtout qui est dans notre marché. Et essentiellement dominant. Aujourd'hui, je vous passe les détails des centaines de livres sur ce sujet, les industries culturelles ne ressemblent pas du tout à l'image qui en était faite pour l'école de Frankfurt dans la critique des années 50 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de chercheurs ont décrit comment l'industrie culturelle n'avait plus rien à voir avec cet âge d'or des studios, des majors de disques qu'on pouvait décrire d'ailleurs comme positif, mais toujours en rupture par rapport à l'art. Aujourd'hui, on voit qu'au contraire, ce sont des industries prototypes donc, qui les distinguent des industries classiques. Ce sont des industries copyright, donc le content du copyright a de la valeur et ce copyright est protégé. Ce sont des industries très frileuses. Par exemple, aux États-Unis, c'est le secteur le plus syndiqué du pays, contrairement à l'impression qu'on a dans le cinéma qui a évolué. C'est dans le secteur commercial que les régulations syndicales sont les plus dures. Et je dirais que même la plus dure des CGT françaises n'est rien à côté de la dureté du syndicalisme américain dans ce secteur. C'est un phénomène aussi qui fonctionne sur une continuité permanente entre les indépendants et les majors, contrairement à ce qu'on dit souvent, que ce soit dans la musique, le
cinéma et aux jeux vidéo, l'édition, tout s'appuie sur un système de petites unités, ce qu'on appelle spécialisation dans le cinéma, et c'est bien en édition et label dans la musique, et c'est aussi les jeux vidéo qui sont en général très autonomisés et en réalité, la plupart du temps, indépendantes. Donc, quand on parle d'un indépendant qui se battrait contre l'industrie, ça n'existe pas, sauf peut-être chez quelques journalistes de télérama et des marketeurs qui croient encore. Prenez le dernier Spider-Man, le dernier film, j'ai pas forcément la savoir le blockbuster, mais ceux qui n'ont pas vu, c'est de regarder le fonctionnement de No Way Home, le dernier Spider-Man, qui oppose en réalité un tas de métavers, on a un multivers, c'est-à-dire trois mondes parallèles. Je n'ai pas spoilé le film, je crois qu'on n'est pas 7 millions de Français qui l'ont vu. C'est clair qu'à un moment donné, en tout cas au début, quand je l'ai vu, les salles se levaient pour applaudir quand le musée se passait. C'est un phénomène très majeur. Mais passons, vous allez jusqu'à la fin du film, il faut, parce que vous allez avoir une première nouvelle scène en train de continuer. Vous attendez encore 7 minutes ou 8 minutes, et vous allez voir une deuxième scène qui apparaît à la deuxième fin du Spider-Man, donc ça va continuer de plus après la fin pour aller jusqu'au bout. Et vous verrez que, c'est ça qui est une scène d'ailleurs finale, c'est que le générique continue. Et vous verrez le nom de peut-être 200 start-up à la fin du film. C'est-à-dire que c'est un film de major, peut-être major, on peut imaginer, mais il est fait par 200 start-up, tout indépendant. Et c'est ça l'industrie, en caricaturale, c'est que les studios sont des bandes, n'existent pas sans les indépendants ne peuvent pas vivre. Sans les studios, sans le dialogue permanent, ça n'exclut pas la production autonome, indépendante, je dirais l'alternative que les petits indépendants savent faire aussi. La grande majorité des cas, cette structure n'existe pas. Elle n'existe pas plus à Broadway, où aujourd'hui des caisses sont créées dans les business eux. Elle n'existe pas dans l'édition où vous avez des équipes plus petites et des pièces universitaires. Aux États-Unis, à 60% public, ce qui n'est pas qu'en France, qui nourrissent l'économie du livre. Et dans la musique, c'est encore plus vrai avec des labels tout petits, rachetés, avec des pourcentages revendus, et qui sont toujours très indépendants, même quand ils appartiennent à des majors. Je dois écrire ça beaucoup plus longtemps, j'en ai fait trois livres, et surtout de mes propres textes, des dizaines de livres qui racontent cette mutation des industries culturelles, qui expliquent pour des larges parts pourquoi elles sont si innovantes, si créatives, pourquoi il y a tant d'expérimentation et tant de recherche et de développement dans des industries qui, comme dans les jeux vidéo, fonctionnent sur ce type de modèle. Parallèlement à cette montée en puissance des industries culturelles et créatives, de nouveaux travaux qui sont attachés à étudier l'impact de ce secteur dans l'économie générale et son influence internationale. Je ne vais pas ici citer le nom de Richard Florida qui est très souvent critiqué par tous ceux qui s'intéressent à la politique culturelle, notamment ces deux livres clés sur la classe créative et sur les comparaisons internationales en matière de classe créative. Mais force est de constater que, où que j'aille dans le monde, j'étais encore hier matin à Dubaï, et lorsque je rencontrais les responsables de cette culture, le premier livre qui me citait, c'est de Richard Florida, qui pourtant a pris un peu de temps. De même, dès qu'on rencontre un livre, où que ce soit à travers le monde, à Tokyo, comme en Chine, vraiment parce que je suis des grandes villes américaines, j'en ai fait l'expérience quand je cite Richard Florida. Donc, je veux bien que le livre soit si élevé et que cette théorie soit si fausse. En tout cas, d'abord, il y a quelques centaines de milliers à tous les acteurs culturels du monde et qui est traduit dans beaucoup de langues. Et même s'il est très daté aujourd'hui, le dictionnaire pose beaucoup de problèmes, de questions. Il n'empêche qu'il a touché juste sur un point de salut. C'est l'importance de la créativité dans l'économie. Aujourd'hui, le théâtre, le festival de Lyon, tous les musées évoquent ce sujet. C'est peu ou pas Florida qui est
lieu au musée de Bilbao, qui est une installation typique et très chère, si je peux dire, cette semaine, où je serai à Berlin, on comprend comment le Louvre a été placé par des bâtiments sur la carte du monde. Personne ne connaissait la région, avant que le Louvre, l'Assemblée ou un certain nombre d'institutions, bientôt le Bilbao, ne s'installe sur une petite île, je crois que c'est ce qu'il y a de Abu Dhabi. Peut-être pas la taille, mais les plus riches du monde, comme vous savez. Xi Jinping, d'ailleurs, en chef chinois, lui-même utilise cette théorie ou celle de la Florida de James Hansberry, que vous connaissez tous, puisque c'est lui qui a inventé la notion de soft power, qui est repris comme titre de la notion de transcription en anglais. C'est intéressant d'ailleurs, Mal, son parenthèse, vous le connaissez sans doute, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, Joseph Mal, lorsqu'il crée cette notion, à Rand, à Kennedy School, moi j'étais attaché culturel à Houston, donc je l'ai rencontré très tôt dès que je suis arrivé, et j'ai passé 4 ans de voir ça régulièrement, mais pour nous être juste auparavant, sous ce qu'on appelle pas, c'est-à-dire le fameux DVD en américain, au ministère de la défense américain. Donc on voit que cette notion de soft power n'était pas née de lui tout à fait neutre, puisqu'on était au cœur non seulement du soft power américain, avec la signal de chimie, mais en réalité du hard power. Vous connaissez la différence entre le soft, c'est la culture, la force par les valeurs, la force par l'exemple, l'école, l'éducation, l'université, alors que le hard power, un classique en influence, c'est celle par les armes, par la défense, par la force, et contribuant par les économies traditionnelles de la diplomatie traditionnelle. Donc, Florida et Nile, deux auteurs qui ont contribué, qu'on les aime ou pas, à ces évolutions en France comme aux États-Unis, puisque c'est deux auteurs que l'autre élément central, c'est un investissement accru dans la politique culturelle par le financement public. J'ai montré, et je pense pas le problème faire, que contrairement à ce qu'on sait toujours, contrairement à ce que je pensais moi-même aux États-Unis, j'arrive aux États-Unis, je pense que j'ai un pays de la culture, on a réussi la culture, mais on ne pensait plus jusque en défendant l'art, et j'arrive dans un pays qui, finalement, ne s'intéresse au marché et à l'intérieur. Or, ce que je découvre, et ce sera l'objet de ma thèse, c'est que les financements publics en culture aux États-Unis sont équivalents, bien sûr, en comparaison de mon expérience, c'est-à-dire tractant à l'argent public en France. L'idée qui, que je comprends tout à fait, est contre-intuitive par rapport à ce que je pensais. Alors, je vous passe les détails de comment j'ai calculé tout ça, mais c'est essentiellement à partir de l'aide publique indirecte. Alors, chez moi, les publics directs, voire les guides, en émissaire, de la culture qui distribue les subventions, en gros, les agents. Aux États-Unis, c'est très faible, ça n'existe quasiment pas. Par contre, on a une défiscalisation équivalente à peu près à celle de la France, mais avec la différence notable que ce n'est pas le ministre, le maire, le président de la région qui attribue les subventions, mais c'est chacun. Même pour les tout petits, puisque tout le monde finance sa culture dans certaines régions, qui va le faire en choisissant. Et pour cela, on obtient une défiscalisation. Et quand vous calculez cette défiscalisation, c'est-à-dire ce manque à gagner de l'État pour la culture, vous apercevez qu'il y a à peu près équivalent en gros à ce qui se passe en France. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'il faut faire pareil en France? Je ne rentre pas dans ce débat, je ne crois pas pour le dire en guide. Mais c'est évident qu'au lieu d'avoir un ministère de la culture, vous avez vu des centaines de petits milliers de ministères de la culture à cette région. Et ça a évidemment des effets, on le voit très bien, tout simplement, sur les formes défendues, puisque ce n'est pas un corps public national, provincial, même régional, dans l'Amérique qui donne le cap, mais c'est chacun qui choisit, et vous voyez bien. Donc ça a des effets très négatifs, mais aussi des effets très positifs. En tout cas, que ce soit un franc local, ou global, ces politiques culturelles vont se réciter à toutes les échelles, avec toujours des débats de logique comptable, on a juste un petit peu d'humour, mais les artistes en général, dès qu'on les interroge, critiquent
peut-être que la première chose qu'ils font dès qu'ils rencontrent un élu, c'est de parler de comptabilité, à savoir leur subvention. Donc en réalité, tout le monde parle de ça, et l'artiste tout le temps que bref, ce qui, au-delà des chiffres publics et des évolutions que j'ai indiquées, on fait aussi, depuis au moins les années 60, mais encore plus depuis, que parallèlement à la montée en puissance de ces financements, qui ont été là partout, parallèlement à la diffusion des musiques culturelles et au brouillage de la diffusion de la culture, j'y reviendrai, on fait aussi le constat dans certains échecs de politique culturelle, parce qu'elle, en dépit des financements qui ont été multipliés partout, elle montre que la participation culturelle ne s'est pas augmentée, ne s'est pas améliorée, mais elle s'est décisive en dépit des financements beaucoup plus importants. Et ce constat, il fait partout, et il fait partout en dépit même du débat et du culturel art, puisque si vous incluez les industries culturelles, le cinéma, la masse, la musique populaire, vous voyez une stagnation des pratiques culturelles en dépit des subventions investies. Pour le passage, sans vouloir insister sur ce point, parce que je ne suis pas si populaire que depuis très longtemps, quel que soit le modèle, on constate que les chiffres sont aussi à peu près les mêmes. La participation culturelle aux États-Unis et en France est quasiment la même sur tous les secteurs. Il y a autant de gens qui vont à l'opéra, qui vont assister à la danse contemporaine, voir un concert de jazz, lire un livre ou théâtre aux États-Unis et en France en pourcentage de la population. Donc, quel que soit le modèle, les pourcentages sont à peu près les mêmes. Il y a des nuances, des gens républicains aux États-Unis et en France, comme on comprend. Il y a une partie des lecteurs en France, notamment des bons chiffres de l'année 2021 pour les livres aux États-Unis, mais sur le théâtre, la musique, les musées, les chiffres sont extrêmement proches, c'est très significatif. Mais par conséquent, après ce constat d'échec, au total de 2000 une partie des réflexions sur le petit culturel vont donc finalement évoluer et s'attacher à repenser et à repartir au point de départ, à savoir l'éducation, la participation doit être possible grâce à l'éducation culturelle, je dirais, on reprend à la base. Autre grande évolution, et je ne vais pas être trop long, mais vous l'aurez compris, c'est qu'à ce bouleversement, je dirais, quasi initial de la politique culturelle, de créer les industries culturelles ont été prises en compte et intégrées finalement à ce débat, même en tant que critique. Tout ce modèle a été massivement déversé à l'âge numérique, et donc quelque chose de beaucoup plus récent que bien ici depuis à la bouche, depuis l'an 2000. Dire que la culture a connu une importante disruption du fait du numérique depuis les années 2000, ce serait évidemment un euphémisme, y compris dans un théâtre comme celui-ci, même si, comme on le sait, le théâtre est moins affecté que d'autres par une certaine mobilisation de la société. Malgré tout, tous les secteurs de la culture ont été, à des degrés divers, transformés par l'arrivée d'Internet. Il y en a qu'on ne reconnaît même plus. Il y en a d'autres, comme le théâtre, qui ont été évolués de manière un peu moins sensible, mais en réalité, beaucoup. Même si on ne le voit pas forcément. Parce que cette mutation fondamentale, elle concerne par les modèles de production, les modes de diffusion, de communication, de marketing de la culture, entre autres, fonctionne sur le numérique dans le pays de ces aspects, même si sur scène, on continue à être live. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous le savez, on est en ligne également, mais c'est aussi les pratiques du public qui évoluent, cette capacité d'interagir, cette capacité d'attention, la concurrence avec les accès sur le temps de loisirs disponibles, ou encore le jugement des critiques et la manière dont on critique les œuvres est complètement masquée du fait du numérique. Et même les institutions qui ont pensé qu'elles étaient moins susceptibles d'être affectées par l'intervention numérique, comme par exemple les musées ou les ballets, ou donc les théâtres, qu'elles ont été très fortement atteintes. Le Covid a été sans doute même
Je ne dis pas que ça va rester, ça changera, on reviendra à des formes normales, je crois à ça. Là. Je suis de ceux qui ne vivent pas une seule minute d'inquiétude. Par exemple, pour la vie du cinéma, je pense que la salle reste majeure, mais les pratiques évoluent de manière sensible. Il s'agit d'une transformation radicale, sans doute la plus importante que connue l'art de la culture depuis, disons, au moins l'âge de la reproductibilité cognitive. Enfin, le terme célèbre est de nouveau. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est l'obsolescence d'une approche du coup, nationale de la culture au secteur public. D'une part, la multiplication des liens entre la culture avec des pratiques économiques et le marché, d'autre part, et enfin, le renforcement des deux phénomènes que je viens de dire précédemment par la transition numérique au plus global. Voilà en tout cas le monde dans lequel nous vivons. Alors, les chercheurs se sont innombrables à travailler sur ces deux questions. Encore une fois, je rentre dans le mémoire que j'ai publié en préface de l'émission en poche pour ne pas vous assommer. De certaines lignes de corps et de références éditeurs et de dates de publication, mais les livres sont fort nombreux. Pour une part, l'idée qui est largement prévalue chez les responsables des politiques culturelles publiques, dans les fondations aussi, dans les médias, qui est une forme de défiance et du rejet du numérique qui reste vrai, a été très fortement atténuée parce que, finalement, c'est rendu compte. Ce n'est pas une mutation passagère, qui ne serait qu'un épiphénomène, mais que, à mesure que la transition numérique s'est affirmée, et s'installer dans la durée, l'enjeu fut tout à fait autre. Ce fut d'abord l'enjeu du contrôle et d'une forme de régulation verbale pour protéger la culture, même si on a bien vu les difficultés que cela posait. C'était aussi la question de voir du coup cette évolution, non pas en termes de menace, mais en termes d'opportunité. Et aujourd'hui, on assiste moins en France qu'ailleurs, mais dans d'autres pays, à une refondation des politiques publiques culturelles pour tenir compte du numérique, même si les nouveaux modèles stables tendent à émerger et à être définis. Il y a beaucoup de choses que je pourrais décrire. Par exemple, il faut, pour comprendre pourquoi Internet a tellement marqué la culture, il faut voir comment la culture a été centrale là. A été centrale dès le début dans la naissance d'Internet. Je reviens pas sur l'histoire des hippies, sur le fonctionnement, la présence des artistes dans les sites qu'on voyait, le fait que finalement, c'est moi le développeur qui est son importante dans une start-up que celui qui a des idées créatives. Et même si le codeur est important, c'est d'ailleurs les artistes qui viennent souvent le codeur, l'éthique à cœur a été centrale dans la construction de ces dispositifs. Finalement, l'éthique à cœur s'est peu à peu construite en opposition par rapport à cette fameuse éthique protestante du capitalisme qui était centrale dans le développement des États-Unis et de sa culture. Certains chercheurs ont mis en évidence l'innovation, la créativité qui était au cœur du processus numérique et qui, d'une certaine manière, le rapprochait de la culture au sens large. Et pour toutes ces raisons, le secteur numérique et les acteurs Internet ont été peu à peu assimilés à la culture. Et c'est là un passage très important qui nous mène au domaine fameux des 6CC dont on parle partout, c'est-à-dire les industries culturelles et créatives. Et pourquoi on parle de culture et de création ? Finalement, c'est pour rien que je vous dis, le numérique. Et donc, au fond, on comprend mieux comment, de ce débat lié au numérique, comment les termes du débat ont changé et sont passés dans les discours des politiques publiques depuis les années 60, d'une discussion axée sur l'art, à une discussion centrée sur les industries culturelles, je l'ai déjà décrit, avant de l'être dans les années 90 et 2000, sur les industries créatives et enfin, aujourd'hui, sur l'économie créative. C'est peu à peu un élargissement qui a eu lieu dans lequel les industries culturelles d'abord et les numériques ensuite ont joué un rôle majeur. Alors, il existe d'innombrables travaux sur ces questions, la transformation et la production du content, comme on dit, contenu, content à l'âge numérique. Comment les produits culturels sont devenus des flux, des streams, des formats, des services, donc du content. Le passage des produits physiques aux services immatériels, une question considérable.
et ce faisant, donc, on passe à des industries au service. Ce n'est pas des marques, c'est des choses, des concepts, et donc des industries créatives, une économie créative. Ce qu'il faut bien voir dans tous ces processus, c'est que l'expérimentation, là où il s'agit de développement, par exemple, comme on l'a demandé, des prototypes, la prise de risque, la porte d'une position major start-up qui reprend une position major indépendant, mais aussi le mode d'organisation start-up, qui est le mode privilégié de la plupart des artistes aujourd'hui, le droit à l'échec, la scalabilité, on dit la capacité à être tout petit et élargir son modèle, la participation de l'audience, le crowdfunding pour se faire financer par les autres, la customisation, la personnalisation des contenus, la sérendipité. Je prends des mots volontairement vulgaires pour un artiste, mais en réalité, quand on réfléchit de près, c'est souvent ces éléments qui constituent la vie de la plupart des artistes d'aujourd'hui, y compris dans le théâtre et les arts plastiques. Bien sûr, cette dynamique affronte ou se heurte à des logiques de renouveau capitalistique qui font donc sur l'hégémonie des GAFA, de l'identité par la production. Et d'ailleurs, la puissance reste, je pense, sous-estimée. Par exemple, on s'appelle toujours Amazon et de son hégémonie numérique dans la diffusion, par exemple, des produits culturels, parce qu'il en reste. Et c'est vrai que ça reste vrai pour le livre. On ne le dit jamais, mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, Amazon, c'est la plus grande banque de France. Si vous fermez Amazon, c'est 30% du chiffre d'affaires par maison d'édition qui serait connu. Donc, on peut critiquer Amazon, on peut ne pas vouloir acheter des livres, mais vous n'avez aucun chercheur sérieux qui n'existe pas Amazon. Parce que si vous les revendez, si vous les lancez, ce qui est le cas de la plupart des chercheurs, vous n'avez que sur Amazon en France. Et donc, on sait aujourd'hui que tous ceux qui critiquent Amazon passent leur journée à commander des livres sur Amazon, et lorsqu'ils sont des chercheurs ou lorsqu'ils sont des universitaires, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour eux. Et même si vous allez dans une bibliothèque, les livres n'y sont pas en France, puisqu'un jour de vous demander dans la bibliothèque ou de livres indiens ou de livres chinois. En revanche, en tout cas, moi j'essaie de le faire, chaque fois que j'achète une nouveauté, un livre de littérature, un livre qui me prête, je vais tout pour aller dans ma librairie, parce que même si Amazon me fournit des livres rapidement, souvent, il n'empêche que c'est notre moyen de protéger nos librairies. Mais là où je voulais en venir sur un point, c'est peut-être dire que Amazon, c'est pas en fait ça la force, c'est beaucoup plus Amazon Web Services, c'est-à-dire leur rôle dans le cloud. Et aujourd'hui, on ne sait pas, mais la matrice passe par Amazon, je pense pour ceux qui ont Amazon, les jeux vidéo Fortnite ou même la machine à recycler, c'est-à-dire s'ils utilisent Amazon Web Services, c'est là où le vrai puissance de ce domaine. On peut évoquer également d'autres GAFA, les pratiques que ça implique, les changements que ça amène. Peut-être thématique, mais je dois presque terminer mon intervention, et donc j'aimerais terminer ce forum de la période que le smartphone commence à devenir totalement modifié l'intégralité du secteur culturel, plus encore que l'Internet, du rôle des prescripteurs. J'ai beaucoup écrit sur les influenceurs, comment ils ont changé, et je voudrais juste remarquer bien, je parlais d'une jeune lesbienne que je suis, un peu artiste comme ça, et elle avait toujours une idée du bail, et elle m'a dit « Ah, j'aurais adoré y aller », et alors je demande pourquoi, alors que, comme vous le savez, la lesbienne, c'est quasiment 80 ans, on est en revenu, donc c'est étrange qu'elle aime tellement du bail, mais en fait, je ne savais à peine, la plupart des influenceurs mondiaux sont à du bail, et donc c'était ça l'image qu'elle avait, et c'est les influenceurs qu'elle adore et qu'elle suit, qui vivent tous à du bail dans les piscines, alors même que paradoxalement ce pays n'est pas forcément bien pour elle, ça montre l'influence des influenceurs dans un monde qu'on ne voit pas très bien. Mais j'aimerais terminer sur, me semble-t-il, trois points que je n'ai pas développés faute de temps, que sont les trois nouvelles politiques culturelles à l'âge
de la prime, comme de l'Europe, ça nécessiterait un débat complet, mais c'est sans doute là où on a des moyens pour lutter et pour se protéger. Ensuite, tout ce qui tourne autour de la ville créative, on parle de Smart City, moi je préfère parler de ville sustainable et créative, donc une ville qui soit à la fois pas juste smart, c'est-à-dire digital, mais qu'elle soit aussi favorable à l'environnement et à la culture. D'autre part, et c'est lié à ce que vous disiez à l'instant, la nouvelle importance de la transition numérique dans ces questions, transition numérique qui est encore balbutiante, tu le vois, dans le domaine de la politique culturelle, mais qui me semble-t-il va devenir centrale à travers au moins cinq dimensions. D'abord, la culture durable, c'est-à-dire on fait des expositions avec des catalogues très gros, projets, des cinéastes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, l'art qui embrasse l'environnement pour le sujet, c'est-à-dire par exemple, c'est pas nouveau, mais c'est l'idée que, par exemple, on a comme dans Joker, qui sont, on peut dire, des arts plastiques qui traitent d'environnement pour le sujet. Ensuite, l'outreach, c'est-à-dire comment l'art peut se servir de son pouvoir de persuasion et d'influence pour défendre la cause environnementale. Quatrième élément, l'art qui change de médium compte tenu de l'environnement, c'est un monde plus nouveau, il y avait le Land Art à l'époque, et il y a tout un tas de nouvelles, de nouveaux médiums qui apparaissent avec l'environnement. Et enfin, le point le plus principal, le plus utile, c'est ce qu'on appelle les nouvelles esthétiques liées à l'environnement, c'est comment l'art change avec l'environnement, son esthétique. Ça, c'est le travail de Bruno Latour, notamment la Biennale de Taipei, l'exposition d'ONI, Bentley, une des scènes planète, etc. Dans la révolution, c'est mieux mesurer et évaluer les politiques culturelles, ce qui est très massif, par exemple, par Angola, en quelques, dans toute l'île américaine, comme la culture importe, même au Dubaï, même en France, même en Brésil-Réunion, c'est des questions qu'on se pose. Et enfin, celle des nouveaux modèles économiques des artistes, puisqu'on sait aujourd'hui que les artistes ont une économie très différente qu'avant, avec tout un tas de nouveaux éléments qui leur permettent de vivre, même si on ne le voit pas. Donc, si on prend ensemble ces questions d'évolution numérique, la question environnementale que je viens de décrire, je vais ajouter celle du DEI, qui est omniprésente partout dans la département de culture, c'est-à-dire la question de diversity, E, c'est equity et inclusion. DEI, qui sont des politiques très centrales, nous montrent comment ces politiques culturelles ont fortement changé. Je termine d'un mot en disant que voilà, on est parti d'une politique culturelle qui était franco-française, qui était récente et qui était simple à définir. On voit comment aujourd'hui la politique culturelle eh bien, s'est élargie considérablement dans des conclusions que actuelles très productives, que ce soit le contenu de la culture qui est intégrée à la politique culturelle, les industries culturelles, je l'ai dit, qui sont au cœur de ces politiques et non pas à sa marge, la politique digitale, la régulation des plateformes, les nouvelles philanthropies, l'éducation artistique, la connaissance des algorithmes, la vie créative, les lieux d'incubation, la revitalisation urbaine, les réseaux sociaux, les startups, la diplomatie culturelle, la classe créative, le son commun, la politique fiscale et ses déductions, la politique culturelle européenne, les télécoms et la régulation, les droits des consommateurs et tout ce que j'appellerais les micro-politiques de la culture. On le voit, c'était un petit secteur, c'est aujourd'hui un empire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit plus à l'époque de ce livre magnifique, à savoir les intimes dans un